Bon. Sais pas combien sont l'état actuellement sur un Kinomart. Bonjour. Votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée, Aperture Science, ont été régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Dites-moi si le son du, si vous entendez le son du jeu et si vous l'entendez pas trop fort. Vous allez entendre une sonnerie. Venez regarder le sol. Bien. La partie gymnastique pour vous Bah, je sais pas s'ils ont voulu mettre des glitches, mais en tout cas ils sont conscients de leurs bugs et ils auraient pu les réparer, ils l'ont jamais fait donc. Donc voilà. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect n'est pas suffisamment stimulé, veuillez écouter ce concert de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Ouais, tu les retrouves pour. Votre cryostase a duré. Pour un certain nombre, mais. T'as pas réellement d'OB dans. Dans le portal 2. C'est pas aussi troué que le 1. C'est surtout lié au fait qu'ils ont changé l'état des textures de l'extérieur des niveaux. Avant, c'était des zones où on pouvait faire des portails partout, et maintenant, c'est plus le cas. Du coup, le portail bumping qui était utilisé pour faire le OB dans le portail 1 n'est plus possible sur le. Après, il y a d'autres méthodes avec le flying glitch qui permet de sortir, mais on peut pas. Là où on l'utilise vraiment, c'est pas réellement le OB puisqu'on suit la route classique, c'est juste que ça nous permet d'y aller plus vite. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. On peut un tout petit peu en fait, mais il faut vraiment. C'est quasiment du frame perfect. Et ça existera peut-être dans les tasses si un jour il y en a. Mais pour les joueurs, il n'y a aucun gros joueur qui utilise ça. Parce que c'est beaucoup plus dur que sur le. Que sur Half-Life. Bon, vous savez quoi, on va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Venez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous dire, mais je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réduire. Bah, apparemment, je sais pas, ils sont. Ils ont des méthodes de travail un peu particulières par rapport aux autres développeurs, donc ça peut être intéressant. Hein. Parce que ils ont vraiment une autre philosophie du travail dans le jeu vidéo, je pense. Et voilà, ils font ça un petit peu de façon étrange, mais ça a l'air sympa. En tout cas, pour l'instant, ils nous ont pondu quasiment que des jeux géniaux. Donc, même s'ils ne sont pas parfaits au niveau des bugs. C'est le cas pour tous les jeux au final. Oublié. Ouais. Allez, commence. Ouais, c'est vachement chiant cette phase là, ça me saoule, mais bon. On est obligé d'y passer. Bonne nouvelle! C'est chiant. C'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Allez, tout pas, mais. Enfin, vous verrez.
centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Les messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivations, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement et de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1. Oh putain. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez du lag. Vous remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé à travers ça. Sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tables. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille de Je suis sur la région de Toulouse. Voilà, dans un petit bled paumé. Il n'y a pas encore une voie DSL là. Du coup, le stream, c'est un peu. C'est un peu ghetto, mais bon, en général ça tourne, même si je sais que la qualité n'est pas au top. Là j'ai pas Skype, donc normalement ça devrait un peu mieux tourner qu'hier soir, j'espère en tout cas. Oui, oui, ben, en général mes streams sont assez calmes, au niveau des viewers, ça reste assez calme. Après c'est vrai que des fois... On a des amis qui s'y ajoutent et du coup ça fait monter le compte de viewers. Bon voilà, hein. c'est pas une fin en soi. Si les gens qui sont là sont vraiment intéressés par ce qu'on fait, c'est l'essentiel, quoi. Peu importe le nombre. Je sais que sur la soirée d'hier, je crois que j'ai eu 100 mails pour les nouveaux followers Twitch. C'était assez impressionnant. Alors ici, pour récupérer plus facilement le portal gun, en fait, il faut savoir que si on le regarde, même en étant assez loin, et qu'on appuie sur l'utiliser, ben on force en fait la prise du portal gun et on peut l'avoir de plus loin sans monter. Si vous estimez qu'un androïde militaire mortel a respecté vos droits stipulés par les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. C'est vrai que ça règne mieux, en général, ça se passe mieux. Ouais, ouais. Mais bon, ça fait plaisir. Le prochain test est très dur. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Bah, c'est vrai qu'il est franchement super gentil et c'est vraiment un mec super, très absorbé par son travail, il bosse beaucoup mais il fait ça avec passion et ça se ressent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous êtes seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité. Ouais, c'est un glitch vachement intéressant. Il demande un petit peu de timing. Je ne réussis pas à 100%.
Mais le gain de temps est énorme par contre quand il passe. Et sur le 2, pas trop. Par contre, sur le 1, quand j'ai commencé à vraiment travailler le speedrun dessus, bah, j'avais toujours mal à la tête. Donc j'étais obligé de prendre des cachets tout le temps. Ce qui était pas cool. Ah, parce que toutes les 2 heures, un paracétamol pendant 2 mois, c'est pas cool quoi. C'est pas l'idée du siècle, je vous le déconseille. Mais voilà, j'avais trop mal donc. Ce saut est pas évident du tout. Ça me fait chier de le rater. C'est tout juste. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vachement désorientant. Hein. Quand tu commences le jeu, on est retourné un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi. Moi, j'ai pas de drop, donc normalement, il n'y a pas de lag là. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter. Après, je sais pas si vous êtes chez Free. Non, je mourrai. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prêts pour me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À 3, on y va? 1, 2, 3. C'est bon, mais non. Enfin, non, quand on y va à 3, on a trop de temps pour réfléchir.